Le gouvernement allemand a condamné lundi les affrontements violents qui ont eu lieu lors du festival de culture érythréenne ce week-end. 26 policiers ont été blessés, victimes de jets de pierre, entre autres, lors de l'événement controversé organisé à Gießen, au nord de Francfort. Environ 130 personnes ont été interpellées et quelques 125 procédures pénales ont été engagées. L'Erythrea Festival est controversé au sein de la communauté érythréenne, les opposants accusant les organisateurs d'être proches du régime autoritaire du pays et de faire, à travers cette manifestation qui existe depuis 2011, la propagande du pouvoir en place. Par crainte de débordement, la ville allemande de Gießen avait demandé à la justice administrative d'interdire le festival, sans succès. Après les incidents, des élus locaux ont demandé au gouvernement d'Olaf Scholz de convoquer les représentants érythréens dans le pays. L'Érythrée ne dispose pas d'ambassadeur en Allemagne depuis 9 ans.